Cette vidéo vous est offerte par Et ouais, Darmé est dans le building. Yo Darmé, bien ou quoi? Ça va super bien. En toi? Forme et tout. En forme. Ok, question simple, basique. Pourquoi Darmé? La question me revient à chaque fois. Darmé, je le dis souvent, c'est mon deuxième prénom. Okay. À l'état civil, c'est Wala et Soazomna Médard. Donc du coup, c'est Médard que j'ai inversé. C'est sous forme d'anagramme. Mm-hmm. Donc Médard, quand on l'inverse, ça devient Darmé. Ok. Alors, ton rapport avec la musique? Déjà, tout petit, j'aimais beaucoup la musique. Et quand je voyais les stars passer à la télé, ça me plaisait bien. Donc, du coup, je me disais que je pouvais être comme eux. Et ils ne sont pas différents de moi. Donc, après, je chantais, mais en clando, les parents ne savaient pas. Et même quand je suis allé au studio faire mon premier single, les parents ne savaient pas. C'est après que j'ai fait écouter ça à papa. Et à maman, ils ont aimé, mais ils me disaient en fait l'essentiel avant l'agréable. Donc du coup, je devais avoir aussi le bac avant de me lancer officiellement dans la musique. Et là, ça s'est fait, donc du coup... Sinon, je peux dire que le talent, c'est inné en moi. Et la musique, j'adore. Et il ne se passe un seul jour où je ne chante pas. Je chante et j'écris aussi. Je pourrais commencer un test et ne pas finir. Ou je peux commencer et finir. Ça dépend de l'inspiration qui me vient. Okay. Alors, tu as sorti un single tout dernièrement. Si, si. Qui s'appelle 3. Si, si. Est-ce que tu es satisfait de l'accueil? C'est ce que tu espérais? Oui. Déjà, je peux dire que je suis satisfait. Parce que dès que j'ai lancé le single, les gens ont aimé, mes proches et tout. Ils m'ont dit félicitations, ils m'ont donné la force. Et puis, à chaque fois, tu sors, tu passes, tu vois ton son, joue ça partout, ton clip, les gens commentent, c'est joli. Donc du coup, ça me voit droit au cœur. Alors, avec ta permission, on regarde le clip et on revient, c'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Baby, you're killing me. Aïe, 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 baby, you're killing me. Come back, bo. 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 Come back, bro. Come back, hola umla, hola umla, eh. Baby, hola umla, eh. Shorty, hola umla, eh. Baby, hola 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 umla, eh. Très beau clip, hein. Merci. Allez streamer, les gars. C'est sur YouTube et tout. Phil Industry, c'est ta maison de production. Si, si. Comment s'est fait cette connexion-là? Déjà, mon producteur, Mr. Phil, c'était une connaissance. C'était une connaissance. J'étais ami, en fait, avec, je peux dire, son cousin. Mm-hmm. Donc, du coup, avant, quand je venais chez le cousin, il savait, en fait, que je chantais. Donc, après, je peux dire que c'est moi qui ai osé. Parce que je suis allé vers lui pour lui dire que, ah, grand frère, c'est comme ça, j'adore la musique, je chante. Est-ce que tu peux écouter ce que je suis en train de faire? Et franchement, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à me dire au fait que ok, je vais t'aider. Mm-hmm. Et là, tout ce qu'il a dit, toutes les promesses dont il m'a dit ok, je te ferai ceci, cela, tout a été fait. Tout a été fait. Là, jusqu'ici, tout se passe bien quoi. Très bien, très bien. Mm-hmm. Moi, je suis là seulement pour chanter, le reste, l'équipe s'occupe de ça. Okay. Alors, actuellement, tu es sur un projet?
Si. John Kedek, Kooni Gangster et tout. Oui. Ça fait quoi de se retrouver avec ces ténors-là? Moi, je peux dire que... Kiteji. Le père. Ouais. Moi, je peux dire que c'est un rêve d'enfance qui se réalise petit à petit. Parce que je peux dire que quand j'étais adolescent, j'écoutais la musique de John Kedek. Parce que le son même a fait un tabac. C'est un tube à l'époque. Donc du coup, aujourd'hui, grandir petit à petit et puis dire que je fais partie du remix de Lolan Van Van, c'est, en fait, je peux dire que c'est une grâce. Mm-hmm. C'est une grâce parce que je n'ai jamais pensé à faire un son avec Kedek ou à me retrouver sur une même prod avec Kony, Yorvi Kepiti, Katal, et l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc du coup, la famille soit branchée. Okay. Alors c'est quoi tes projets? Ouais, bientôt. Pour le moment, je peux dire que nous sommes sur le tournage du clip de l'enlèvement de John Kedek. Mm-hmm. Donc après, il y aura d'autres projets que je vais lancer. Mais je ne pourrai rien dire pour le moment parce que je travaille avec une équipe. Mm-hmm. Lorsque j'aurai eu leur permission, je pourrai en parler. Okay. Écoute, c'est la maison, hein. Tu reviens quand tu veux. Merci. Okay. Alors, est-ce que tu as un mot de fin, un mot à ces gens-là qui sont derrière, qui te donnent la force et tout? D'accord. Déjà, je dis merci à mon producteur, Mr. Phil. Mmh. Merci aussi à mon réalisateur, celui qui a tourné mon clip. Il s'appelle Ilaous. Ilaous de Magnifique Cinéma. Et merci à mon manager, Diz. Merci à toute l'équipe de la Phil Industrie, en passant par Prince Roland, Davis Yomba Afrikavi, Alves Shop. Et pour terminer, Jovial de Metropolis. Donc c'est toute l'équipe de la Phil Industrie. Donc je leur dis merci. Et puis à tous mes fans, merci aussi à mes parents, à ceux qui me soutiennent. Et n'hésitez pas les fans à aller sur YouTube, à taper Darmé 3, à regarder le clip, à le partager, savourer, liker. C'est ça. Okay. Merci d'être passé, hein, frérot. Je vous en prie. Comme je t'ai dit, tu es à la maison, tu reviens quand tu veux. Allez. Merci beaucoup. La famille, abonnez-vous. Sunday TV sur Instagram, Facebook, YouTube. Et à la prochaine. Vapor, c'est un site de e-commerce. Donc, allez checker et télécharger leur application. C'est dans Play Store. À la prochaine. Je vous adore. Ciao. Darmé, ouais. C'est quand tu veux. Ok, il n'y a pas de soucis.